La forme d'un panneau indique sa fonction. Le triangle avertit d'un danger. En agglomération, les panneaux de danger sont généralement placés environ 50 mètres avant le risque signalé. Alors qu'en rase campagne, ils sont placés 150 mètres avant le danger potentiel. Par exception, le panneau « Circulation dans les deux sens » est toujours implanté au niveau même du danger. Le rond indique une interdiction ou une obligation qu'il faudra impérativement respecter. Le carré informe les usagers. Il donne des indications utiles concernant la conduite ou l'existence d'installations. Les panneaux relatifs aux installations, par exemple un parking, sont placés à proximité de celle-ci. De même, les panneaux indiquant la position d'un danger signalé auparavant sont placés au niveau du danger. Le rectangle guide l'usager. Un rectangle fléché indique une direction, tandis qu'un rectangle non fléché identifie un lieu ou un bâtiment.